Hey, salut, c'est Kiru. Je vais vous parler de l'arme numéro un de l'ennemi, c'est-à-dire la peur. Est-ce que vous avez peur de ce qui se passe ces temps-ci? Comment vous vous sentez par rapport à ça? Moi, j'avais pas vraiment. Ben, je dois dire, j'ai eu peur au début, là, quand cette opération COVID a commencé, puis je pense que c'était pas malsain d'avoir un peu peur au début, parce qu'on savait pas trop ce qui se passait. Puis assez rapidement, j'ai vu, bon, OK, c'est un peu comme d'habitude, là, la grosse manipulation. Puis ma peur s'est transformée en soulagement de voir que, bon, enfin, ça sort. Enfin, le plan de l'ennemi sort. Il va être dévoilé, tu sais. Donc, d'une façon ou d'une autre, le calvaire achève. Puis ça m'a donné beaucoup de force, tu sais, pour faire des vidéos, puis me tenir debout, puis tout ça. Plus récemment, j'ai connu un moment de peur, très récemment, quand j'ai vu qu'à Québec, Alexis Cossette-Trudel en a parlé, là, une espèce de prison COVID, là, genre de centre secret où on enferme du monde soupçonné d'avoir le COVID. Là, j'ai fait, aïe, aïe, c'est fou, là, c'est trop. Ça m'a vraiment fait un peu freaker. Puis c'est passé deux belles choses. Je suis tombé sur quelques vidéos d'une dame, une américaine, qui parlait justement de la peur. C'est de ça dont je veux vous parler. Dans le fond, je fais un peu la version française de ces vidéos parce que je pense que c'est des outils importants. Et surtout, le lendemain que j'ai vu ces vidéos-là, il y avait lieu la manif du 12 septembre où il y avait tellement, tellement, tellement de monde. Puis là, j'ai réalisé, OK, on n'est pas tout seul, là, ça y est, on est réveillé, ça y est, ça marche, ça marche. Ça va juste faire des petits, là, ça va. Donc, en gros, ce que la dame disait dans les vidéos, tu sais, en fond, je ne vais pas vous parler d'elle, je vais vous parler de moi. Je mettrai les liens parce que c'est en anglais. C'est en anglais, si jamais. Il y a deux vidéos en particulier. Si jamais vous voulez les regarder, si vous êtes confortable avec l'anglais, allez-y. C'est peut-être c'est pas 10-15 minutes chaque. Je vais essayer de faire ça plus court. En gros, ce qu'elle raconte, c'est que nous, quand on se tient debout, on émet une certaine lumière, une certaine vibration. Appelez ça comme vous voulez, on va dire de la lumière, tu sais. On met de la lumière sur quelque chose qui a été caché, tu sais, sur quelque chose qui a été quelque chose de sombre, quelque chose de pas beau. Puis, tu sais, quand on regarde comme il faut, on a tous quelque chose de pas beau en dedans. On a tous des côtés qu'on n'aime pas. Puis, en quelque part, cette espèce de grosse dégueulasserie-là à laquelle on fait face, c'est un peu un reflet des côtés de nous qu'on n'aime pas. Puis, en mettant de la lumière dessus, c'est ce côté-là de nous qu'on sort. C'est un peu bizarre, c'est un peu, je sais pas, métaphysique, là, mais je pense vraiment que c'est ça qu'on fait. On est en train de littéralement d'exorciser nos démons en tant que société, en tant qu'humanité, en tant que peuple. Et je crois que c'est une excellente chose. Je crois qu'il était temps qu'on le fasse en maudit. Et je crois qu'on le fait bien. Et merci. Merci de le faire. Mais l'affaire, c'est que on est face à du monde qui représente un peu ce mal-là, cette noirceur-là, cette espèce d'existence juste dans l'ego, où tout doit être contrôlé et tout ça, cette espèce de folie. T'sais, pour eux, ça a du sens, là, ce qu'ils font. C'est ça qui est dur à comprendre. Et donc, on avance vers ça et on met de la lumière dessus. Évidemment, bien, la pire chose pour la noirceur, c'est d'être éclairé, parce que ça tue la noirceur, tu sais. Donc, plus on avance vers eux, on est un peu comme une ligne de front en guerre, là, tu sais, comme si on était tous des. J'aime pas utiliser les analogies de guerre, de soldats, mais c'est un peu ça. On est comme une ligne de front qui avance en projetant cette lumière-là, tu sais, en accusant, en disant, regarde, ça, c'est pas correct, vous dites pas la vérité, ta, ta, ta. Vous nous avez menti là-dessus, vous manipulez sur ça.
Donc, plus on avance, plus l'ennemi, entre guillemets, plus la noirceur va paniquer. Parce que les gens qui sont là-dedans, les entités qui sont là-dedans, je ne sais pas trop, n'ont pas l'habitude d'avoir une résistance de la part des humains. Donc, qu'est-ce que ça fait, un bully là, du monde qui font... j'ai pas le mot. Du monde qui font... qui agressent d'autres personnes à l'école, qui font de l'intimidation. C'est ça le mot que je cherchais. Les gens qui font de l'intimidation, qu'est-ce que ça fait? Ça va pas nécessairement frapper plus fort, mais ça va se montrer plus fort. Ça va bomber le torse, là, puis essayer de faire peur, puis faire des menaces, puis faire de l'intimidation, puis tout ça. C'est ça qu'on vit, d'après moi. Plus on avance, plus la peur, l'arme de la peur va être utilisée contre nous. Quand on y pense comme il faut, c'est quoi la peur? T'sais? C'est quoi vraiment la peur? Mais la peur, c'est ressentir une émotion à propos de quelque chose qui n'est pas arrivé. Quand tu as peur, quand quelque chose arrive, tu n'es pas dans la peur, tu es dans l'action. Tu te bats ou tu fuis. Mais quand tu es dans la peur, ça veut dire que la chose n'est pas arrivée encore. Tu ressens une émotion pour quelque chose qui peut-être pourrait arriver. Et c'est ça qu'il faut résister. C'est là que le courage devient important. Je dirais presque la foi, une certaine foi que la lumière va être assez forte, la noirceur va disparaître, tu sais, puis ça va être fini. J'étais pas persuadé de ça jusqu'à temps que je vois le nombre de personnes qui étaient avec moi dans cette marche. Et pas seulement au Québec, d'ailleurs, tu sais. Donc, il faut s'attendre à ce qu'on nous fasse peur encore, toujours plus. Plus on va avancer, plus ils vont nous faire peur. Et je crois que la meilleure attitude devant ça, c'est premièrement d'être solide dans nos convictions. T'sais, pour ça, il faut rechercher, il faut être sûr que ce qu'on dit, c'est vrai. Si on parle de texte de loi, il faut en avoir lu la loi. T'sais. C'est pas compliqué à lire un décret, là. C'est pas gros. Là. Si on parle de statistiques, il faut les savoir, les statistiques. C'est pas compliqué. Le INSPQ, là, je sais pas quoi, là, ça prend 2 minutes de lire ça. Là. C'est très, très rapide. Là. Si vous avez juste à taper statistiques, COVID, Québec, puis vous allez voir le nombre de morts, 0, 0, 0, 0, 0, 0, c'est pas compliqué. Ça fait que, une fois qu'on est fort dans nos convictions, et qu'on arrive à avoir le courage, tu sais, quand des nouveaux éléments de peur, des nouvelles armes de peur vont être projetées contre nous, je pense que la meilleure attitude à avoir, c'est de... Moi, j'en ris maintenant, c'est ça que je fais, je ris. Tu sais, j'ai un ami, il m'a appelé, il dit, là, ils vont bannir, je sais pas quoi, les bars à Vancouver. Et je dis, ah ouais, je dis, il se passe tellement rien ici qu'il faut qu'ils trouvent des nouvelles de Vancouver. J'ai vu un article passer, là, je sais pas, des cas où Nunavut, il faut-tu être pathétique? Tabarnouche, c'est pathétique. Faut qu'ils aillent chercher des cas au Nunavut pour essayer de faire peur au monde. Des choses comme ça, là, leurs espèces de prisons. C'est tellement de la démesure, c'est tellement fou. Puis, tu sais, même les gens qui portent le masque puis tout ça, ils sont dans la peur, mais ils voient bien que ça n'a pas de sens à la télé. Il voit bien que la seconde qu'on se pose la moindre question, le narratif officiel, il ne tient pas. T'sais. Donc, je pense que les rangs des gens éveillés, conscients et en action peuvent juste grandir. Il n'y a pas de retour en arrière. Notre lumière va juste devenir plus forte chaque jour, plus forte, plus forte, plus forte. Moi, je m'attends à ce qu'il y ait des tentatives d'espèces de... C'est genre d'un gros événement style 11 septembre là, pour vraiment foutre tout le monde sur le cul. Je sais pas ce que ça va être. Je sais qu'il y a des espèces d'astéroïdes qui sont supposés passer proche de la Terre, donc ils vont peut-être essayer de faire peur au monde avec ça. On sait qu'ils ont des technologies pour faire toutes sortes d'affaires, là, créer des fausses invasions extraterrestres. Des absurdités comme ça. Je pense qu'on n'a pas fini d'en voir. Là, il y a des feux partout... sur la côte ouest américaine. En tout cas, je ne sais pas à quel moment je vais publier cette vidéo-là, mais au moment où je vous parle, il y en a beaucoup.
La dame dont je parlais au début qui a fait les vidéos en anglais, c'est ce qu'elle disait. Elle dit là, c'est comme un scénario d'horreur, mais elle se force à rester dans cette foi-là, dans ce courage-là, et elle rit un peu de ça. T'sais. Elle dit, regarde, mais oui, ils essaient de nous faire peur encore, encore toujours. C'est la seule chose qu'ils ont. C'est la seule chose qui leur reste. La peur, la censure, t'sais, tout ça, c'est un peu... Tout ce monde-là, là, ils vont tellement se faire laisser derrière. Ils vont tellement perdre. C'est fou, c'est inimaginable, en tout cas. Donc, encore une fois, écoutez, merci, 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 merci à vous autres d'être là, puis de vous impliquer, de vous poser des questions. Je vais vous dire aussi une chose que cette dame-là disait, qui est peut-être un peu... Peut-être des gens ne croient pas à ça, en tout cas, mais elle disait, ces temps-ci, nos corps physiques changent pour s'adapter à ces nouvelles vibrations-là. Plus on envoie cette lumière-là, plus la vibration, l'état dans lequel on vit, je ne sais pas comment appeler ça, là, notre environnement change et donc notre corps doit s'adapter. Puis elle dit ça peut causer des grandes fatigues, ça peut causer des douleurs, des désordres, toutes sortes d'affaires. Là. Fait qu'elle dit, essayez d'écouter votre corps. Peut-être que vous allez avoir besoin de nourriture différente, de sommeil différent, d'activités différentes, de méditer plus, ou dormir plus, je sais pas. Donc, écoutez ça. Il y a quelque chose, là, je pense, qu'il faut écouter. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo-là va vous inspirer, va vous aider. Moi, je peux vous dire que ces informations-là m'ont rassuré beaucoup. J'ai fait une vidéo où je parlais, en revenant de la manifestation, de la marche, pardon, où j'ai un peu confronté, là, poliment, gentiment, là, mais une discussion quand même avec des policiers, tu sais. Je ne sais pas si j'aurais osé faire ça, si j'avais pas eu cette information-là par rapport à la lumière qu'on dégage et tout ça. Donc voilà, j'espère avoir le même effet sur certaines personnes puis que ça va faire des petits. Donc, merci beaucoup. Bonne fin de journée tout le monde. Prenez soin de vous. Je vous aime beaucoup. Puis, on va gagner. Je commence à avoir hâte. 2021, là. Ouais. Ou si, gars, il faut se rendre à 2022, 2023, 2024. On va y faire. On est rendu là. On a passé les points de non-retour, là. On est sur une voie vers la victoire, puis ça prendra ce que ça prendra, puis on va rester fidèles à nos convictions, courageux, pacifistes, dans l'amour, dans cette espèce de lumière-là, dans cette espèce de vibration positive qui va juste grandir, puis on va changer le cours de l'histoire, that's it, aussi simple que ça. Attention à vous autres, bonne journée, bye.